Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. À l'affiche aujourd'hui, en avant Guingamp contre le Paris Saint-Germain. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. C'est puissant sur l'aile. Et ils vont effectuer cette touche. Di Maria. Rabiot. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle. Neymar. Oh, très bon ballon. Bien tenté. Dommage, il pouvait beaucoup mieux faire là. Les gardiens passent un match très tranquille jusqu'ici. Benezet qui cherche des solutions. Bonne interception, il y avait danger. Neymar. Quelle passe! Ça manque un peu de solution. Rabiot, il a de l'espace. C'est un bon ballon. Neymar, oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Bien dosé. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. S'il le trouve, c'est joué long vers le poteau de corner. Salibur. Le centre. C'est joué long. Neymar. Et ce ballon sur l'aile. Le cadre se dérobe largement. Neymar, qui a déjà marqué aujourd'hui.
Qu'elle fait du bien cette interception. Meunier. Et il n'arrive pas à se rapprocher. Il écarte le jeu. Il est tout seul. Le ballon, il met la tête. Et l'arrêt est magnifique. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. De l'arbitre, ce sera un coup franc. Et il tombe sous la pression. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe... La seconde période, c'est parti. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Di Maria dans les profondeurs. La frappe. C'était presque au fond. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Dans la construction, mais il faut faire la différence. Et ils essaient de repartir de derrière. Le gardien loin devant. La Saladiara. Neymar, qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Allez, il faut faire plus pour se mettre un peu à l'abri. Abdou Kamara qui prend son temps. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Bien joué, ça. On joue sur l'aile. Il est servi. Di Maria sent. Ça peut être dangereux. Il marque. Deux buts d'avance. La différence est faite. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Et le doublé. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0.
Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il allonge. Il est passé. Oh, la frappe! Coco. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Oh, il faut... Neymar! Ils sont passés tout près du 3-0. Il a vraiment joué le coup, pourtant. C'était l'occasion de se mettre hors de portée. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. En avant Guingamp qui peut construire. Abdoul Camara. Alors, que va-t-il faire? Le bon dribble. Un centre bien placé. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il y a danger. Bien défendu, c'était chaud. Le ballon traîne toujours, attention. Oh, très bon ballon. On peut frapper là. Quel geste! Là, il peut centrer! Ça joue à gauche. Rabiot qui cherche la profondeur. Neymar qui a de la liberté. Ils obtiennent la touche. Le Paris Saint-Germain qui procède à un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Oh, voici Neymar. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Bonne intervention. Dido. Coco. Kerbrat. Coco. Dido. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oh, la victoire est vraiment méritée. Parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander?